cabure, regarde. Mais t'étais complètement à l'aise ou pas? Non, non. Pas, non. Ben non. Ou alors j'étais pas à l'aise, c'est d'avis. Ouais, c'est des grands moments de solitude, là, malgré le monde. Hein. Parce que même s'ils sont 12 autour, ça fait peu, quand même. Jimmy, regarde, Jimmy, mal. Il t'arrache les cheveux, mais pas par méchanceté, par gentillesse. Il vole pas mal, il t'arrache des touffes. Mais pour te toucher, je veux dire, sinon, c'est pas méchant. Non, mais c'est pas méchant. Mais, donc, le premier jour, ça a été un peu l'effet de surprise, et puis surtout pour moi. Et puis, mais le deuxième et troisième jour, il a fallu le refaire. Et le lendemain, je me suis dit, bah, attends, je vais pas refaire ça. Et maintenant... Parce que quand je suis arrivé le premier jour, ils avaient tous la tête vers la scène. Donc, je suis arrivé, j'étais tranquille à peu près jusque... Un tiers de la salle avant qu'il me voie. Mais le deuxième jour, il regardait plus la scène, il regardait vers l'endroit où je rentrais. Donc j'étais coincé. Et il fallait que je rentre quand même. Et là, je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Et puis, tu sais, tu peux avoir tous les gardes du corps que tu veux. On en avait renforcé, au lieu d'en avoir 40, on en avait 60. Avec la foule, tout se compresse et on peut rien faire contre une foule. Alors,